Les deux étrangers qui s'en sont pris à un chauffeur de taxi ont été mis aux arrêts, voici leur identité. Les auteurs de l'agression contre le chauffeur d'un taxi, dont la vidéo a été relayée plusieurs fois sur les réseaux sociaux le 15 mars 2022, ont été interpellés par la police. Selon les informations données par les forces de l'ordre et de sécurité, ils répondront de leurs actes. Leur identité. Les deux agresseurs répondent aux initiales de Monsieur A, 31 ans, entrepreneur immobilier, et A.K, 28 ans, agent commercial. Ces deux ressortissants libanais avaient été filmés le 15 mars 2022 en train de tabasser un conducteur de taxi dans la commune de Marqueuil à Abidjan. Identifiés, ils ont été interpellés par la police pour violence et voies de fait. La scène de violence captée dans une vidéo avait été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit un chauffeur de taxi, N.K.A. ivoirien âgé de 54 ans, tabassé par deux individus à la peau blanche. Une scène qui avait indigné des internautes qui réclamaient justice. Les faits. Selon les faits rapportés par la police, les mis en cause reprochaient au chauffeur de taxi d'avoir écorché leur véhicule et d'avoir pratiqué une mauvaise manœuvre de conduite. Après vérification et le constat d'usage, aucun impact n'a été visible sur leur véhicule. Les agresseurs auditionnés et transférés au parquet ce jeudi reconnaissant les faits de violence et de troubles à l'ordre public qui leur sont reprochés. Monsieur A et A.K ont été auditionnés et transférés au parquet le jeudi 17 mars 2022. Leur tentative d'arrangement à l'amiable avec la victime N.K.A. s'est avérée infructueuse. Lire aussi Adjamé Renault, la rue des gares attend sa part de goudron au vu de la vidéo le mardi dernier, les internautes ont identifié plusieurs fois Hassan Eyek. À son tour, le vagabond de la charité n'a pas hésité à réagir, beaucoup de personnes m'ont tagué depuis ce matin sur la vidéo. Je suis gêné et complètement peiné. C'est inadmissible. Que puis-je dire à part condamner un tel agissement? Je ne dirais pas que c'est une dispute qui arrive mais plutôt un comportement irresponsable et irréfléchi de la part de deux personnes de notre communauté, a-t-il déploré appelant les autorités à jouer leur rôle.